Bon, épisode 8 en tout cas, bonjour. Bonjour à tous. Du coup, mais du coup, on peut aller en 0-0, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est bon. On va aller voir. En fait, ça va être la mission suicide. Hein. Bah, Arès. Tu veux faire durer l'épisode ou quoi? Parce que si on arrive et qu'on meurt, c'est fini. Hein. Du milieu dispo. Ouais, ouais, non, on va essayer d'appuyer sur le bouton. Mais non, mais si on a. C'est pas dans le temps, Si, si, non, mais pour déconner. Mais si, c'est pas celle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre, de toute manière? Faudra juste que tu me passes des pommes d'or. Ouais, ouais, bah je. Attends, vous voyez où on est dans les coordonnées ou pas? Quoi? Non, parce que là, y a pas tout le monde qui nous suit là. L'île du milieu est face à moi. Bah, on se rejoint sur l'île du milieu. Alors, je vous donne les coordonnées sur là où on va atterrir. On est. Pour vous dire là, Arès Nost, 1080, 1200. Nost, elle est derrière toi. Ouais, 1080. 1080. Putain, vous êtes vachement loin. Attends, 1060, donc ça réduit. Donc en 1000. En 1000 merde, ça m'a fait stresser. 1040, 1150. 1040. Oh là là, mais il se passe quoi là? Alors, bah, je te dis exactement, on est en 1016. On est en train de tous se tuer là. Moi je fonce hein. Je vous laisse deux pommes là. Ouais, merci. Combien en Z? Mais on est sur l'île du milieu, arrête, je sais pas ce qu'il te faut de plus. Oriente-toi, va au milieu de la map. 1150. Voilà. Ouais, ok. Je comprends que t'es perdu, parce que tu nous as perdu de vue, mais en fait c'est logique. Leur base a été forcément au milieu de leur île, ouais, et là on va forcément au milieu de la map. On joue pas ensemble. C'est dommage. Bah, tu nous as perdu de vue. Nous on est ensemble hein. Donc cette île est plutôt chaude. Ouais. Ah, il faut pas marcher sur les blocs de magma en plus. Ouais, j'avoue. Putain. Ouais, faites gaffe hein, ça fait des dégâts. Je sais pas pourquoi il y a un portail du Nether ici. Ouais, je sais pas trop. Après, si on a l'avantage de la hauteur sur le volcan, limite on se met autour du bouton et on PVP les gens qui assaut le bouton. Ça peut être une bonne idée, non? Oui, moi je suis sûr qu'il y en a déjà qui ont bridge et qui sont déjà là-bas. Tu penses? Ceux qui avaient tous leurs points là, ils s'en foutaient, ils savaient très bien, ils nous attendaient, je suis sûr qu'ils attendaient déjà. Ouais, attends, on va voir. Ouais. Allez, à mon avis, ils vont cliquer dessus, on n'aura même pas eu le temps d'arriver en haut. Je pense, hein. On va voir. Heureusement que j'ai gardé un stack de stone, moi. Ouais. Putain, c'est le bordel c'est là. Plutôt utile ici, c'est très compliqué de grimper. Oh putain, ouais, c'est pas. Ah, on arrive en haut là. Tu vois qu'il y a un mec qui va nous attendre avec une épée. POUM! Je sais pas. Aïe, j'ai marché sur un bloc. Mais attendez. Ah ouais, ils ont bridge en effet jusqu'au. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont pas pu. Parce qu'ils trollent, ils trollent, ils veulent buter les gens. Ah là, c'est Viper, c'est la team Viper. Merci d'avoir prévenu, mais je l'ai absolument pas vu en montant. Ils ont cliqué, ils ont fait quoi? Non, regardez, ils mettent de l'eau. Ah mais ils sont fail, hein. Ah mais y'en a qui viennent avec nous. On tente. Vas-y, t'as un saut ou pas? Non. Ah bon, du coup, on va sur l'obsidienne, on les attaque? Bah ouais, je pense qu'ils attendent de toute façon qu'on les attaque, hein, donc on va tenter. Ouais, on fait le YOLO Swaggy Baby. YOLO Swaggy Baby, on essaie de les pousser dans la lave. Voilà, basta. On fait les bons codes. Ah, par contre, ils ont un arc. J'ai fait one shot. Ils ont des arcs ultra violents. Ultra violents parce que j'ai été one shot. Oh! Il y a trop de monde. Oh! Oh, c'est trop violent. Il y a des mecs. Oh! Coucou! Ça va? Oh mon dieu! Comment ça va? Eh, j'ai foncé sur Hyper, j'ai tout donné. Hein. J'ai tout donné. Votre équipe n'a plus de vie, chaque main sera fatale. Arès ne va pas te battre, sauf non. Toi. Bon bah je me bats. Ah, sérieux, c'est n'importe. Et cet event, c'est n'importe quoi. Du coup, bah, pas regarder là. Bah, il faut attendre qu'ils appuient sur le ouais, bouton. Parce que, voilà. Tout le monde, en fait. On se fait une petite anti-goûter ici, avec des graines. Hein. Ouais. Oh, voilà, bien, voilà ce retourne. Que j'ai pensé de cet event. Alors. Alors, pour la qualité alors. Du plat, c'est vrai que bon. Un petit map. Ambiance de la soirée. Bon, ça va. Regardez le biome. Garde la pêche, quoi. La petite map là. Non, mais. Sérieusement, quoi. Ah oui. On partait vraiment défavorisés. Non, mais clairement, hein, avec un biome ceux comme ça. Qui ont eu des biomes d'air par rapport à ceux qui ont eu des biomes désert ou montagne clé comme ça, c'est chiant quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est pour ça que quand on a commencé dès le début, parce que faire des colorants. Dès que j'ai vu le biome en fait, parce que je me suis dit oh là là, ça va être. Bon, effectivement, on avait de l'herbe ici, c'est vrai. Mais bon, c'était pas ouf quoi. Puis des arbres, voilà. Après, j'ai failli tuer Hyper. Hein. Failli. Ils sont à non deux, parce ça. Qu'en vrai, en vrai j'ai failli le faire tomber dans la lave. C'est pas que j'ai failli le tuer, c'est qu'il était à un bloc de tomber dans du la lave. Du coup on va faire quoi là? On reprend un bateau? Bah là on reprend les bateaux et on y retourne. Ouais ouais ouais. Okay. Mais on a même pas de... On a même pas de rien du tout. Non, rien, en fait, moi j'ai une paix. Ah attendez, il a la pastèque là. Oh, j'ai de la pastèque. Oh. Je vais pouvoir me nourrir.
Une pelle? Moi j'ai pris une épée en pierre et on n'est pas au Moyen-Âge là. Une pelle mais avec juste une utilisation encore qui reste quoi. Ah oui bon. Moi, j'ai... Est-ce qu'on se partage la pastèque de façon équitable? Vas-y, fais pas ta pute. Alors, deux pastèques pour toi. Deux pastèques pour toi. Un petit peu de bois pour tous là. Ah non, je me tais en fait. Vous avez une table de craft là ou pas? Ah, t'as pris la pastèque. Rends la pastèque de Dark. Arès, t'as encore la nourriture toi? J'ai 45 côtelettes là. Il faut qu'on essaie de retrouver Arès. Donc venez, on fait les bâtons et essaie de retrouver Arès. Reviens chez nous en fait. Non, mais on va en 0-0, on va le retrouver. Je vais prendre la place arrière sur le bateau de quelqu'un. Vas-y. Par flemme aiguë. Alors c'est là-bas. Vas-y. C'est là-bas, moi je sais où c'est, donc suivez-moi. J'ai jamais fait le bateau encore à deux. Je savais pas que... Je sais plus. Surtout si parce que je peux 1. Pas me craft un bateau en fait, donc... Je sais plus, non mais je pense que je savais pas si ça marche ou pas en fait. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont pas appuyer sur le bouton. Ça marche? Ils vont essayer d'éliminer... Voyons voir. Eh regarde, c'est ouf. Ah ouais, stylé. Je pense qu'ils vont... Je pense qu'ils vont éliminer tous les joueurs en les tuant. Oh, c'est buggy. Ouais, un peu. Les personnes moi je suis en F5, je te regarde. Ouais, j'avoue, tu peux regarder la vue et tout. Ah, ils perdent la vie, hein. De toute façon, s'ils veulent arrêter le game, ils appuient sur le bouton. Mais en vrai, à mon avis, ils ont pas envie d'appuyer sur le bouton. Non, ils vont juste attendre de tuer tout le monde. Je crois que c'est la partie. Ouais, je pense qu'ils veulent éliminer tout le monde. En fait, là, c'est la petite balade en bateau. Ouais, grave. Ah, bah ça, c'est cool, hein. Oula, encore un éliminé. Alors, Arès, on arrive en. On est en 823. Moi, je suis en 1200 pour l'instant, là. Bah, 820. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, ils attendent, et le problème, c'est que du coup, il y a des gens, ils peuvent encore gagner des points. Donc du coup, en fait, on perd notre avance sur certains, et certains en profitent. Alors, on est en 1200, 860. Et d'ailleurs, les murs, ils étaient censés se rétracter, on n'était pas censé survivre sur notre île, normalement. Non, non, non. 1200, 860, arrête. Même, ça a été tué. Ah, et Pierre a été tué. Ouais, on est dans la mer. 1200, 860, on est dans la mer. Et il y a des grands arbres sans feuilles à côté de nous. La team bleue est éliminée. Ouais, on commence à éjecter. Ouais, tu nous as trouvé RS? Bah écoute, j'essaie. Ah, non, là. Je te vois pas. 1100. En fait, je suis entre le centre et la map désert en fait. Actuellement. Bon, fait que tu es pas sur l'île du centre encore? T'as un bâton pour entre te battre. Entre l'île du centre oui, et. Un bâton, j'ai une pelle. Dans la mer. Alors, on attend RS ici. Tant pis si la game se termine, on va l'attendre. Donc, on est en 1100, 880. Non, mais c'est pas juste pour les. Ah, bah voilà, c'est fini. Ah, d'accord. On va aller voir là-bas. On va aller voir un 0-0. Ah bah voilà. Bon, au moins on aura vu le bouton, hein. On est allé voir le bouton. Vous êtes. On a tapé pour le bouton. Qu'est-ce que vous êtes? On va mettre un petit GG. Bah on va voir le volcan. Okay. Oh, ça explose le volcan! Non, mais c'est qu'on a des TNT. Ah oui. Ah, y'avait du monde ici. Hein. Ouais! Eh ben. Quel event. On fait tout péter! Quel event, les amis. Ah, c'était fun, franchement c'était fun. Je pense que tous les points de vue seront différents en plus dans cet event. Regardez le score final du coup, on est combien? On est pas si mal hein? 78, ouais. Alors premier, deuxième, troisième, quatrième, on est cinquième. On est cinquième, ça va? Ouais, on est cinquième? À la moyenne. T'es sûr qu'on est cinquième? Bah ouais. Attends. Regarde, 148. Attends, 148, 103, 206, 91. Non, on est cinquième. Ah, on est cinquième. Honnêtement, sur le nombre de teams qu'il y avait, c'est pas ouais, ça va. Combien de teams au total? 10 teams. Bah, on est à la moyenne. Mais la prochaine voilà, fois, on a une bonne moyenne. Ah, okay. Ah ouais, c'est notre saison. On rejoint les gens ou pas là en fait? Sur le TS? Je sais pas. Normalement, non, tout le monde est encore dans son équipe. Bah, en tout cas, on va faire un petit blabla formel de on se quitte. Ouais, bah peut-être un débrief un peu sur le truc si vous avez des choses à dire. Donc ouais, on l'a pas joué à fond dans le sens où on a à chaque jour, on n'avait pas prévu d'anticiper l'event, on le faisait voilà comme ça, sauf pour les cactus par exemple où là on l'a anticipé mais ça a pas marché. Et on aurait dû jouer plus PVP, je sais pas ce que vous en pensez ouais, vous. Oui, clairement. Oui. Bah ouais, mais en fait on nous a rabâché depuis le début qu'il fallait pas faire se focaliser sur le PVP et du coup on s'est pas focus dessus. Et en fait c'est dommage parce que on aurait pu prendre les ressources dès le départ, on aurait dû se mettre en avance dès le départ en fait au lieu plutôt que de. Depuis le début, c'est ça, ils ont fait 25% et tout. Non, pas 25%, tu regardes ce que Hyper et tout ils ont fait. En fait, les gars, le PVP ils faisait ont fait un peu de craft, mais en vrai, ils sont direct partis pécho des gars. Et c'est là où finalement l'event a beau être bien pensé, la gestion des scores et l'attribution des scores, en fait, notamment faut, le score de kill, qu'il bah, ça fait tout. Moins de points en PVP, si c'est un point pour, le key, pour les kills, ouais, hein, voilà, c'est tout. Un c'est point c'est... comme ça, là, ça empêche. C'est-à-dire que oui, tu tues, mais non. Ou deux points, voilà, deux points, c'est bien. Mais 4 points en vrai, tu te fais toute l'équipe. Bah, si les mecs se font toute l'équipe, c'est 12 points donc c'est énorme. Ou soit augmenter les points pour les crafts quoi. Voilà. Bon, pour un event du coup qui devait être un peu cool, un peu sans prise de tête, c'est malheureusement les joueurs PVP qui ont encore gagné. Mais on s'est bien amusé. Ouais, c'est vrai. Moi je me suis bien amusé. En fait, ça aurait pu être un peu plus marrant si genre.
Je sais pas, au pire qu'on respawnait avec au moins notre armure, nos outils, quoi. Ouais, peut-être. Parce peut-être. Que moi j'aimais bien le côté hardcore, mais par contre c'est vrai que la perte de stuff était. Ouais, c'est ça qui était dommage, c'était qu'on devait passer la plupart de notre temps à miner surtout. Ah, c'est vrai. Et les premiers qui ont fait les assauts PVP, ils ont pu oui, accumuler les richesses et tout, etc. Ils n'ont pas eu besoin de faire ça, eux. Il avait dit au départ, ouais, en fait, au départ, il avait dit que ça régénérerait. On pourrait se régénérer. Ouais, et puis ouais, au final. Non. C'est devenu un mode de jeu UHC. Et au final. Bon, du coup, on était tous un peu dans le flou au début de cette série, c'est ce qui fait qu'on l'a abordé de mauvaise façon. Saison 2, c'est bien parce qu'ils pourront faire des correctifs et tout. Ah ouais, ouais, et puis c'était. En plus, il y avait du monde. Le système des îles, ouais, la map et les îles, c'était très cool. Non, c'était bien cool. Je trouvais ça marrant, les moments de stress quand les mecs viennent sur ton île et tout, ça, c'est trop bien. Quand on était caché là. Ah ouais, non, mais quand Arès, c'est mythique, quand Arès, il vient se foutre à côté de moi par un pur hasard. Ah, ça, c'est la plus belle scène pour moi. Vous avez eu pas mal de PVP, moi encore pas de temps. Ouais, pas mal de PVP. J'ai pas fait de PVP. Du PVP où vous vous êtes tapé dessus, j'ai quoi. J'ai tué mais personne, du PVP je me suis toujours fait massacrer hein, dans la game. Ah, j'ai tué quelqu'un une fois, je crois. J'ai miné 80% de la game. Donc. Moi j'ai explosé la team Sif, Xef, Brioche. Bah, moi, c'est les seuls que j'ai vraiment explosé. Aurélien, il m'a laminé la tête. Ouais, moi c'est As-2 et tout. C'était terrible. Bon, on se laisse ici du coup. On se laisse, on va peut-être passer. Ouais, je vais peut-être passer voir le test. Moi, je sais pas si. Voilà, on va passer voir. Peut-être qu'il y aura une suite dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à regarder les points de vue d'un peu tout le monde. Merci d'avoir suivi la série et peut-être à la prochaine. Ouais, ciao. Ouais, ciao. Ouais. Bisous. Ciao. Ciao. À la prochaine.